asleep in midst the trees. Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hacks and rays. Salut à tous et bienvenue dans The Witcher et on se retrouve dans l'arène du petit bâtard avec ses copains là, les mecs à culottes. Pourquoi ils se baladent tous à poil? Moi je comprendrais jamais. Hein. Et oh, une jolie, jolie demoiselle là. Évidemment c'est une catin. Salut Ouais bon. Du coup, il fallait... Parler à Igor qui se trouve être, je ne sais pas qui. Cœur de Novigrad. Bon, c'est par là, on va y aller, on s'en fout. Hein. Tout ça semble être des gens de la plèbe. Ils ne nous intéressent pas. Ce que vous avez à faire, c'est de tenir quelques minutes. Donc on va avancer tranquillement. Tant que les esprits noirs. Directement voir Igor qui se trouve être lui. Salut. Je sais pas si t'as vu, t'as un cheveu qui dépasse. Et vous savez faire quoi? Je me débrouille assez bien avec une épée. Ouais, tout. Je pourrais faire office de garde du corps. Je peux tout faire. Vraiment? Garde du corps de qui? du petit bâtard, mais bon, c'est vrai qu'il a un peu beaucoup de garde du corps quand même. Du petit bâtard. Le petit bâtard a de nombreux ennemis. C'est bien connu. Je pourrais lui être très utile. Ne vous en faites pas pour lui. Il sait se débrouiller tout seul. Je le déglingue quand même. Mais comment savez-vous que cet endroit lui appartient? Je le sais. C'est tout. Un bon conseil. Si vous tenez à la vie, oubliez ce que vous avez entendu sur le bâtard. Oh là là, ça y est, je me fiche de vos corps. Oubliez ce que j'ai dit. Très bien. Au final, peu me chaud de savoir qui je protège. Je cherche simplement un gagne-pain. Voilà, exactement. Une foule, ça peut vite devenir dangereux. Pour éviter les débordements. Vous avez un peu d'expérience? Je suis un sorceleur. Mon métier, c'est de tuer des monstres, alors de simples humains. Voilà, exactement. Un garde doit savoir se battre. Mais ce n'est pas le plus important. Ah, ça va! Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous pouvez vous maîtriser. Et maîtriser. Je peux faire un fousseronard. J'ai appris à ralentir ou à accélérer mon rythme cardiaque à volonté. À dilater mes pupilles et à modifier mon métabolisme. Mon médaillon vibre au moindre danger et je connais plusieurs sorts élémentaires. Vous allez devoir faire vos preuves. Oh là là! Je veux voir ce que vous valez au combat. Vous allez entrer dans l'arène. Si vous survivez à 3 combats, je vous embauche. Eh ben très bien, on va faire ça, allez. Très bien, inscrivez-moi. Et en plus, on va te faire gagner... Ah quoi? Après, on peut même commencer tout de suite. D'accord. Je suis prêt, vas-y, allez. Je suis toujours prêt. Excellent. Pas besoin d'attendre. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Bah, je vais te faire gagner un peu de thunes. C'est du un combat à mort. La foule n'aime pas les âmes sensibles qui épargnent leur adversaire. Ah merde. Ouais. Pff. Allons-y. Au pire, hein. On s'en fout un peu, nous non plus, on n'épargne jamais personne. À vos bourses, les paris sont ouverts. Ah, d'accord. Venu du lointain Orient, où l'eau est plus précieuse que la vie d'un homme. Voici un mutant meurtrier. Est-ce que je peux utiliser tous mes sorts ou pas? Son adversaire, Ustav Reun, l'homme qui a ouvert le ventre de sa mère avec les dents pour venir au monde. Quoi? Mais t'es dégueulasse! Qu'est-ce que t'as fait à ta maman, toi? Merde! Comme toujours, j'ai une femme et 3 enfants. Refuse de tuer cet homme. Non, non, si, si, si! Non! Non, je rigole! Les chiens. Merde! Non mais je voulais le tuer moi. Dégage. Il y a que ça comme chien parce qu'il en faut plus. Non mais je rigolais par contre, je voulais vraiment le tuer. Je voulais pas interagir, j'en ai rien à foutre. On prend la viande des chiens. Merci. Combat suivant, ça va saigner. Je vous présente le sorceleur contre... Et Gustave, lui, reste là. Les frères Velus, tout
trois venus des îles sauvages de Skelly. Viens, viens, tu m'aides. Ce sont les fils d'un ours de la montagne. Ah ouais, il m'aide en plus. Et ils ne vivent que pour Dieu. Ouais, par contre. Par contre, ils font une sale gueule, eux, je les tue. Hein. Voilà. Même pas je peux interagir, je les ai dégommés direct. Ah, mais c'est cool, ils m'aident et tout. Merci, mec. T'es un chic type, en fait. Bon, c'est pas bien ce que t'as fait à ta maman, mais... What? Une wyverne. Ok, il m'a... Oh, il m'a empoisonné direct. Voilà, on va... Hop là. Dégage, toi. Viens là. Je suis hors de maman, là. Aide-moi. T'as, t'étais plus fort quand t'étais un nouveau-né. Hein. Le gars, il m'aide rien du tout. Ah, mais il m'aide pas du tout, en fait. Il a peur. Bon, c'est pas grave, on le tue. J'ai pas besoin de toi. C'est bon, j'ai compris. Hein. Ouais, merci. 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 J'aime applaudir comme ça. J'aime être applaudi, pardon. Ouais, j'aime attendre. Du sang. Ouais, mais je vais pas le tuer. Lâchez les bêtes. Lâchez les bêtes. Envoyez les bêtes. Ouah, c'est quoi ça? Ah oui, les Andrark. Je sais. Ok, ok. J'en ai déjà tué des comme ça. What? Ok. Par contre, non. Bon, je... Aïe, 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 aïe. Ah, mais putain, je peux rien faire. Voilà. Bon, je suis encore sous la protection de Quen. Allez, hop, dans ta gueule. Voilà. Je vais manger un petit peu parce que là, je suis en train de me faire démonter. Boris. Boris? Qui est Boris? Juste pour vous, pour la première fois depuis longtemps, voici Boris. Ah, ça fait longtemps. Boris, salut Boris. Il arrive par là. What? Un ours. Oh, bon, ça va, c'est un ours. Allez, viens là, Boris. Viens là. Hop là, esquive. Qu'est-ce qu'il y a, Boris? Même pas mal. Viens là, viens là. Je suis là, moi. Ok, ok, très bien. Il me l'a tué pour moi. Merci Gustave, mais c'était mou. Enfin, c'était moi, c'était mon combat. Merde. Mec, même pas il me le laisse. Salut à tous. Ah, y a même des catins qui me regardent. Les femmes de joie, pardon. Désolé pour les femmes de joie qui me regardent. On m'avait dit qu'il y avait un nouveau champion dans l'arène. Et on ne m'avait pas menti. Ah, parce que l'ancien, c'était Boris. Vous êtes au courant que c'est un ours? Trop aimable. D'accord. Je peux savoir à qui j'ai affaire? Le petit bâtard. Ah, vous me décevez. Vous êtes venu pour me tuer et vous ne savez même pas à quoi je ressens. Ah, c'est lui! Bon. Et comment il sait que je veux le tuer? Assez discuté. Ta gueule! Les nains de Surin sont dans les égouts. Ils ont massacré les gardes. Reste pas planté là comme un abruti, bordel. Sonne l'alerte et débarrasse-moi de ces nabots. Merde, les nains, ils sont là, il faut vite que je me débarrasse de lui. Sorceleur, foutre dieu. Ah, moi je voulais être populaire et tout, et en fait... Vous avez entendu le patron? Tuez-le. Allez, tuez-moi. Sautez tous dans l'arène. Mais pas tous en même temps, par contre, parce que ça fait beaucoup. Ils arrivent par où? Par là. Allez, venez. C'est pas ça que je veux faire. Allez, hop, dans ta gueule. Viens, 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 viens. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Gustavo. Gustavo, non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 arrête, arrête, arrête. Non, déconne pas, s'il te plaît. Je suis pas un sorcier, je suis un sorceleur. Mais ils ont rien compris, en fait. Les mecs, ils ont rien compris à la licence de Witcher. Putain de chien! Merde! Ah, il y a Igor! Salut Igor! Ah, waouh, mais il fait. Oh, waouh, waouh, what? What? Il fait mal, Igor! Putain, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, hop!
Hop là, Igor. Qu'est-ce que tu fais, Igor? Waouh, waouh, waouh. Aïe, aïe, aïe. Waouh, mais il fait super mal. Hop là. On va l'esquiver. Allez, viens, fais un gros coup. Vas-y, prochain, je te tue. Non, non, pas de deuxième coup, non. Arrête. Allez, voilà. Ah, je croyais qu'il disait je dois fouiller l'estomac d'Igor. Dans ton estomac, t'as un sandwich au jambon? Ah, la clé. Ah non, c'est... D'accord, je fouillais pas le bon. Oui, et du coup, on va manger parce que Igor, il m'a bien fait mal, hein. Moi, je croyais qu'il avait rien à voir avec les combats, que c'était juste un représentant, mais que dalle, le mec, il sait se battre. Y a pas des trucs? Ouais. Une peau d'ours. What? Qui c'est qui gueule comme ça? Bah alors! Oh putain, c'est les nains! Vite, il faut que je me dépêche, moi. Je peux pas passer par là, très bien. C'est par où? Par là. Suivez-moi! Là! Ah ah! Où sont les nains? Faut que je tue les nains? Ou pas? Non. Peut-être pas. Ah là! Bon, on va les aider. Non mais oh! Sors ton épée! Mais il est con lui! Eh mais il est con! Bah ouais, sors ton épée, sinon tu vas rien faire. Voilà. Salut petit nain! T'es avec moi, hein? Ouais, tu vas pas me faire de mal. Il a compris, il a compris. Là, il y a un truc là. Bague en or, message d'Igor. Qu'est-ce que c'est? Alors, inventaire. Là, pourquoi j'en ai deux? Il y a deux messages? Vu qu'il y a eu récemment des malentendus à propos des objets de valeur et que du sang a été versé sans aucune raison, j'aimerais vous rassurer, tout l'argent est à l'abri dans le coffre. L'abruti qui pensait qu'il avait disparu, cherchez au mauvais endroit. Suivez le couloir qui conduit du niveau supérieur à l'arène. Tournez-vous. Hein, tournez-vous dos à la grille et repartez vers le mur en face de vous. Si vous savez vous servir de vos yeux, vous trouverez que ce que vous cherchez. Permettez-moi de préciser que nous n'avons pas touché aux couronnes du petit bâtard et qu'il ne manque pas une seule pièce. Je jure sur ma propre tête que l'argent est à l'abri en attendant qu'on aille le chercher, Igor. Ok. Alors, suivez le couloir qui conduit du niveau supérieur à l'arène. Tournez-vous. Bon. On va suivre le couloir déjà. Pourquoi j'ai deux, je n'en sais rien. En tout cas, lui, il est au courant de rien. Et moi, suivez le couloir. Donc, quel couloir? Très bien, il n'y en a aucun. Donc, le niveau supérieur, c'est ça. Donc, le couloir, ça doit être ça. Tournez-vous dos à la grille et regardez le mur. Excusez-moi, pardon. Ah ouais, du coup je suis enclenché dans le combat. Le gars il me suit. Et y a des nains là-bas qui se battent. Je veux pas les voir là. Genre j'en ai un peu rien à foutre de vous moi. Voilà. Ah mais les gars ils en ont rien à foutre des nains en fait. Ils ont peur de moi alors ils m'attaquent. Voilà les nains c'est bon. Donc le mur en face. C'est ça là? Là, mais y'a rien ici là. Là, qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Je comprends rien. Bon, y'a plein de trucs par terre. Sandwich. À moins qu'il n'y a pas de coffre, à moins que ce soit toutes ces merdes là, là, les trucs là. Non, mais c'est pas ça, c'est sûr. Là-bas, il y a plein de trucs, mais ça, c'est les trucs des morts, non? Avant que ce soit là? Il n'y a pas un truc, là? Non. Là, face au mur, là! Il y a une porte de l'autre côté, mais non.
Ah j'ai trouvé. Oui, donc j'ai cru qu'il y avait écrit au niveau supérieur, mais pas du tout, en fait, c'est en bas. En tout cas, ce fut simple. Voilà. Enflammé. Ah, je croyais que ça allait m'ouvrir le passage, mais même pas. Des traces d'usure sur le sol. Il y a quelque chose derrière. Quelque chose derrière ce mur. Oui, on avait remarqué. Comment j'ouvre? Il doit y avoir un autre truc à enflammer, peut-être. Ou alors, fallait pas l'enflammer, fallait tirer. Interagir. Ah oui, il fallait pas tirer, il fallait le tourner. Moi, je l'ai enflammé, ça servait strictement à rien. Alors, le coffre. Non, c'est juste le coffre là qui est intéressant, en fait. Une lettre mystérieuse et des couronnes, très bien. Et Gwenelle. Alors déjà, on regarde c'est quoi Gwenelle. Plus 1, 3% de chance d'infliger des dégâts, ça a l'air dégueulasse. Oh oui, c'est dégueulasse. Et donc du coup, lettre mystérieuse. Au petit bâtard, sa majesté mécontente, vous devriez éliminer les autres membres de votre quatuor. Pourtant, ils sont toujours bien en vie. Et pire encore. Ouais, pire encore. Ça, c'est l'expression du Moyen-Âge. Pire encore, connaissant votre rôle dans l'affaire, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Pour le moment, cachez-vous à l'endroit que vous indiquera le porteur de cette lettre et n'en sortez sous aucun prétexte. Sa Majesté espère que l'animosité mutuelle qui existe entre les membres du Quatuor achèvera la tâche à laquelle vous avez si lamentablement échoué. M. Ça m'aide pas trop, ça. Je me demande si Dijkstra sait que le bâtard travaille pour les Redaniens. Et du coup... Donc ça, c'était tout. Il fallait juste savoir... Ok. Maintenant, il faut aller voir ailleurs. Pour d'autres indices, d'autres trucs. Bon, moi, le Dijkstra, il aura une information intéressante. Il sera content. Il me lâchera avec... avec Jaskier. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. Par là. Là, c'est la sortie, non? Oui, ça a l'air d'être la sortie. Salut! Et du coup, c'est où tout ça, là? Tout ça, ça me mène où? Enquête du petit bâtard. Parler à Dijkstra. Trouver le casino. Et ça. Trouver le repère. Ouais. On va aller au casino? Ou on va parler à Dijkstra? Ah, on est plus près du casino, allez. Allons au casino. C'est par là. On est à côté, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Donc le casino, c'est ici. Il y a ses copains ici. Bah, pourquoi pas? Et les videurs, en fait, votre but c'est de qu'est-ce que vous protéger venez la faire porte. Ici comme enfin, tout le monde, ne pas me laisser rentrer. Jouer, quoi. Prendre du bon temps. Faut une invitation pour entrer. C'est dommage, hein. Si je vous tue. Ouais, on va les contrôler, hein, Star Wars, entrer. Vas-y. Ce bien ne sont sûr, pas vos droïdes que vous cherchez. Vous en prie. Et vous, là, souhaitez-moi bonne chance. Oui. Bonne chance. Ah ok, j'ai contrôlé les deux, nickel. Bah merci. En tout cas, très sympathique, hein. Mec ensuite, hein. Quel étrange personnage. Mon petit yes. Je sens que je n'ai pas la moindre idée. Vous n'avez plus d'argent. Quel étrange personnage. Un coup de mignon. Je lise ma maison. Entendu. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'intéressant, là, un bandit, on se vous emmène à l'étage. Capturé et exposé avec la ménagerie. Et toi, là? Vous permettez? Grand vendeur de drogue? Je veux jouer gros, à qui dois-je m'adresser? Je jouer, mais uniquement pour miser gros. Je ne vous connais pas. Vous êtes peut-être plein aux as, ou pas? Pas vraiment, vous savez bon. Peut-être vous tenir, ou pas? Ou pas. Ne faites pas de vagues et vous finirez par jouer avec les gros poissons. En attendant, on a plein de pas mal, pas mal. Ne flambez pas. J'adore l'humour, très drôle.
Débarre. Un pays ou mettre la main sur Bon, vas-y, moi aussi, je suis super drôle, on a compris. Allez, on avance, on avance. Salut toi, t'es qui? Un joueur. Je suppose qu'on va devoir jouer. La chance est avec vous aujourd'hui. Un mutant. Que venez-vous faire ici, sorcier? Bah, je vais jouer. Vous avez trouvé des noyadés dans les toilettes du casino? Oh, le mec, ça clash, ça y est. Ouais, le petit bâtard. On joue, oui ou non? Pas de monstre en vue. Je suis juste venu pour jouer. Comme je vous comprends. Très bien, jouons. Vous avez assez d'argent? Oui. Bien sûr. Fistec, ils vendent la meilleure poudre de toute la ville. Je veux juste jouer. Jouons. On va dépenser 50, hein, parce qu'après c'est trop. Je me sens en veine ce soir. Je suis pas le mec le plus fort du monde. Alors du coup, oui, c'est bon. Première partie de Gwen que je fais dans cette série, hein, je pense. Enfin du coup, pas dans The Witcher, hein, mais première vidéo que je fais dessus. Et du coup, on va virer... Qu'est-ce qu'on va virer? Ça c'est bon. Je pense que je vais rien virer, peut-être ça. Ouais. Ça. Ah oui, pas mal. Pas mal du tout. J'ai pas ce que je voulais, par contre. Ça va être très mauvais, je pense. Je devrais peut-être essayer de tout donner dès le début. Je pense que je vais faire ça. Vas-y. Je vais tout donner dès le début, je vais voir ce qu'il va faire. Parce que je pense que lui aussi va essayer de tout donner. Hop. Évidemment, ça c'était prévu. C'est pas grave. Est-ce que je le fais maintenant ou il a... Vous pensez qu'il a une autre carte? Ouais. On va pas prendre le risque, je pense. Très difficile, hein, quand même, très difficile. Vas-y, je rejoue ça. Neuf, qu'est-ce que tu vas faire? 6, évidemment. Faudrait que je tente le tout pour le tout, hein, mais bon. Ah, je vais jouer ça. Je vais le faire jouer le plus possible. Et là, la paf. Hop là. 42 points, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. C'était prévu. Donc du coup, je gagne. En fait, j'avais même pas... J'aurais pas dû mettre Vesemir, en fait. C'est pas très grave. Carte de faction, à vous. On va jouer cela et on va voir ce qu'il va faire avec. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, c'est pas très grave. Je tente. Allez, je tente. Je tente de gagner dans cette partie. Ouais, vas-y, joue. C'est bien, t'as raison. Ok. On joue ça, 27. Ah, il ressuscite quelqu'un. Un archer, dommage. Dommage. Non, je veux pas passer mon tour, je veux utiliser ma carte de chef. N'importe quoi. Il est malade, lui. Donc, 35 à 47. Oui, j'ai bien fait de le garder. Ouh, oh, ça m'a sauvé la vie. Et donc là... Est-ce que ça suffit? Et j'ai gagné. Allez, pipe dans ta gueule. Et on va faire ça pour les autres parties, sauf que je le montrerai pas. Contre vous, vous me portez la poisse. Ah non, j'ai gagné, c'est tout. Malheureux au jeu. Ma bite dans ton cul. Pardon. Du coup, ben on va s'arrêter ici. Hein. Les autres parties, je les ferai
hors ligne, on va dire. Ouais, ouais. Je les ferai, enfin, je les montrerai pas parce que bon, le Gwen, c'est pas super intéressant non plus, c'est long pour rien. Donc, on va dire que je les ai gagnés d'avance. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces, hein, des pouces verts, bleus, rouges, marrons, verts, violets. Enfin, on s'en fout, hein, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Merci à tous, bisous, bye bye.